بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Toujours dans le traité de croyance Al-Aqidatul Murshida, la croyance salvatrice, qui résume l'explication du premier témoignage, le sens du premier témoignage, Ashhadu an la ilaha illallah. On a expliqué qu'Allah Ta'ala est unique, qu'il n'a pas d'associé dans sa souveraineté, qu'il est tout puissant, qu'il a créé toute chose et qu'il a prédestiné toute chose. C'est le résumé des deux cours que l'on a fait précédemment. On va continuer. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Jami'ul khala'iqi maqhuruna bi qudratih. Donc ça, c'est le dernier paragraphe que nous avions vu hier. Toutes les créatures sont dominées par la puissance d'Allah Ta'ala. La tataharraku dharratun illa bi idhnih. Pas une graine ne fait un mouvement sans que ce soit par la permission d'Allah Ta'ala. C'est Allah Ta'ala qui prédestine toute chose. Laysa ma'ahu mudabbirun fil khalqi wa la sharikun fil mulk. Nul ne prédestine les créatures ou la création hormis lui, et il n'a pas d'associé dans sa souveraineté. Le monde appartient à Allah et il n'appartient à personne d'autre qu'Allah. Ensuite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Hayyun qayyumun la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala est hayy, il est vivant. Mais la vie d'Allah ne ressemble pas à la vie des créatures. Vous allez voir au fur et à mesure des cours sur ce traité-là qu'il rassemble les attributs d'Allah Ta'ala et il t'explique à sa façon les attributs de Dieu qui sont obligatoirement siens par unanimité. Ça veut dire quoi que ce sont des attributs obligatoires à Allah? Ça veut dire qu'il est impossible rationnellement qu'Allah Ta'ala n'en soit pas attribué. Par exemple, Allah est hayy, il est vivant. Bien sûr, la vie d'Allah ne ressemble pas à la vie des créatures. Nous, notre vie, elle a un début, elle a une fin. Elle est faite d'une âme, de chair, de sang, de poumons, de trachée artère. Sans notre âme, on ne peut pas vivre. Quand l'âme entre dans le corps du bébé, le bébé vit. Quand l'âme sort du corps de la personne décède. Donc notre vie, elle est restreinte, elle est limitée. Elle a un début, elle a une fin, et elle a besoin d'Allah Ta'ala. Pour vivre, on a besoin d'Allah. Allah Ta'ala, quand on dit qu'il est hayy, il est vivant, la vie d'Allah ne ressemble pas à la vie des créatures. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. C'est une vie qui est éternelle, c'est un attribut qui est unique, et c'est une vie qui est sans chair, sans sang, sans poumon, sans âme, sans corps. C'est un attribut qui est propre à Allah et qui lui est obligatoire. La raison à elle seule, elle suffit pour savoir sans aucun doute qu'Allah a pour attribut la vie. Pourquoi? Parce que le contraire est une imperfection. Le contraire de la vie, c'est quoi? La mort. Allah Ta'ala est exempt de toute imperfection. Donc tu ne peux pas lui attribuer la mort. Et pour les attributs qui lui sont obligatoires, tu peux faire le même procédé de réflexion. On a vu hier qu'Allah Ta'ala est tout puissant. La preuve rationnelle qu'il est tout puissant, sans même aller dans le texte du Coran pour chercher la preuve. Il y a des gens, ils vont te dire, mais moi je ne crois pas en ton Coran. Donne-moi la preuve que Dieu est tout puissant. La preuve, elle est simple. Si Allah n'était pas tout puissant, il aurait été faible et incapable. L'incapacité est une imperfection. Et Allah est exempt de toute imperfection. Allah Ta'ala, on a vu qu'il sait toutes choses. Pas une graine ou pas une zarra, pas une poussière ne bouge sans qu'Allah ne le sache et sans qu'Allah ne le permette. Allah sait toutes choses. Et on va voir, il y a tout un paragraphe qui parle de l'attribut de la science. Allah sait toutes choses par sa science qui est éternelle. Quelle est la preuve rationnelle qu'Allah sait toutes choses? C'est tout simple. Vraiment, un enfant, il peut te l'expliquer. Si Allah Ta'ala n'avait pas pour attribut la science éternelle absolue, la science de toutes choses, alors il aurait été ignorant. L'ignorance est une imperfection. L'imperfection est impossible au sujet du Créateur Tout-Puissant.
Et tu peux faire la même réflexion, le même procédé de réflexion avec les autres attributs. L'unicité d'Allah, le non-besoin d'Allah, la toute-puissance d'Allah, la volonté d'Allah. Ce sont des attributs qui sont uniques, qui sont éternels, qui n'ont pas de début, qui n'ont pas de fin et qui ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Donc Allah Ta'ala est Hayy, ça veut dire qu'il est vivant. Et ça c'est écrit dans le Coran. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dans Ayatul Kursi. Allah, il n'est de Dieu que lui, il est vivant, il est Hayy et il est Qayyum. Hayyun Qayyum. Ça veut dire quoi Qayyum? Il y a plusieurs explications. Il y a des savants qui ont expliqué Qayyum en disant, ça veut dire qu'il ne s'anéantit pas. Allah Ta'ala a la vie éternelle. Il existe de toute éternité. Donc il ne va pas mourir, il ne va pas s'anéantir, il ne s'anéantit pas. Et d'autres savants ont dit, Allah il est Qayyum, ça veut dire il est Qa'imun bi nafsihi, ça veut dire il se dispense des autres. Il existe par lui-même sans avoir besoin d'autrui. Allah n'a pas besoin de ses créatures. Allah est Qayyum, ça veut dire qu'Allah ne s'anéantit pas. Ou alors, ça veut dire aussi qu'Allah n'a pas besoin de ses créatures. Il a créé le ciel, il n'a pas besoin du ciel. Il a créé la terre, il n'a pas besoin de la terre. Il a créé les endroits, il n'a pas besoin des endroits. Et là aussi, sur ce sujet-là, on va y venir, Inch'Allah, l'auteur va y venir. Il a créé les anges, il n'a pas besoin des anges. On ne dit pas, Allah Ta'ala est aidé par les anges. Allah n'a pas besoin d'aide. Il ordonne à ses anges de faire des choses. Et si Allah l'avait voulu, il aurait créé ces choses sans les anges. Allah ordonne à des anges de faire descendre la pluie. Ça ne veut pas dire qu'Allah a besoin des anges sans lesquels il n'aurait pas pu faire descendre la pluie. Allah a créé le monde, l'univers. Il n'a pas besoin des anges. Nos adorations, Allah n'en a pas besoin. Quand on dit « fais la prière pour Dieu », ça veut dire quoi « pour Dieu » ? Ça veut dire « fais la prière pour rechercher son agrément ». Pour Allah, il ne la fait pas pour les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah il a besoin de ta prière. Allah n'a besoin de rien. Quand tu pries, c'est dans ton intérêt à toi. Ça te profite à toi. Allah Ta'ala, il n'est pas concerné par le fait d'augmenter en profit ou de diminuer en profit. Allah n'a pas besoin de ses créatures. Il est l'être éternel qui a les attributs parfaits. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ensuite, il a dit, il n'est pas touché par le sommeil, ni par la fatigue. Comme c'est écrit dans Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il a repris la même phrase. Il a fait un iqtibas. Il a repris la même partie qu'il y a dans ce verset. Et ça, c'est une réponse aux associateurs, aux mécréants, qui sont les Yahouds. Ils ont dit, Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours, et le 7e, il a eu besoin de se reposer. Il est parti s'asseoir ou s'allonger sur son trône. Et ça, c'est du shirk. C'est de la mécréance. Ça revient à attribuer à Allah une faiblesse. Ça revient à attribuer à Allah un besoin. Ça revient à attribuer à Allah une imperfection. Qui se fatigue? Nous, les humains, par exemple. Pourquoi? Parce que nos actes sont des mouvements. Nous avons un corps. Nous faisons déplacer notre corps. Et à force de déplacer notre corps, on se fatigue. Quand tu fais une séance de sport avec le coach, tu te fatigues. À la fin de la séance, tu es fatigué. Pourquoi? Parce que tu as fait beaucoup de mouvements. Donc nous, on se fatigue à travers nos mouvements. Allah Ta'ala, son acte, ce n'est pas un mouvement. Il n'est pas un corps. Il crée par son attribut qui est éternel. Il fait surgir les choses du néant à l'existence et il ne ressent pas la fatigue. Allah n'est pas concerné par la fatigue. Donc il n'a pas besoin de se reposer ni de dormir. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Contrairement à ceux qui ont dit que, soi-disant, le 7e jour, il se serait reposé ou il aurait eu besoin de se reposer. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Déjà, les anges, c'est des créatures qui font des mouvements, qui se déplacent. Et pourtant, Allah Ta'ala a voulu qu'ils ne se fatiguent pas. Les anges ne se fatiguent pas. Ils ne dorment pas. Ils n'ont pas besoin de dormir. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ce sont des créatures, mais pas comme nous. Les anges ne boivent pas, ne mangent pas, ne se fatiguent pas. Ils ne sont ni des mâles, ni des femelles. Des créatures ne se fatiguent pas. Comment on va attribuer au Créateur le fait de se fatiguer? Non. Allah Ta'ala est exempt de la fatigue et du sommeil.
Ensuite, il a dit, Alimul ghaibi wa shahada. Allah sait les choses cachées et les choses apparentes. Là, ça y est, on entre dans l'explication de l'attribut de al-ilm, la science. Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ça veut dire Allah, il sait tout de vous où que vous soyez. Et il dit également dans le Coran, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah englobe toute chose par sa science. Ça veut dire rien n'échappe à la science d'Allah Ta'ala. Et encore une fois, la science d'Allah ne ressemble pas à la science des créatures. C'est un attribut. Là, il ne s'agit pas d'un corps. C'est un attribut qui est propre à Allah. Et il est impossible qu'Allah n'en soit pas attribué. C'est pour ça qu'on dit c'est un attribut qui est obligatoire pour Allah. Ici, quand on dit obligatoire, ça veut dire qu'il est obligatoire rationnellement qu'Allah ait cet attribut. La raison ne conçoit pas. La raison n'accepte pas qu'Allah ne soit pas attribué de la science. On peut utiliser la même preuve rationnelle que pour les autres attributs. Si Allah Ta'ala n'avait pas pour attribut la science de toute chose, alors il aurait été ignorant. L'ignorance est une imperfection. Allah est exempt de toute imperfection. On n'a pas le droit d'attribuer à Allah l'ignorance. On n'a pas le droit de dire « il y a quelque chose qui est arrivé, Allah ne le savait pas ». Et celui qui dit ça n'est pas musulman. Il n'est pas croyant, il n'a pas connu son créateur. Pourquoi ? Parce qu'il a attribué à Allah une imperfection. Il a attribué à Allah un défaut, une faiblesse. Il ne connaît pas son créateur. Allah a les attributs de perfection qui sont dignes de lui et il est exempt de toute imperfection. Donc l'auteur a dit, « Alimul ghaibi wa shahada » Allah sait les choses cachées et les choses apparentes. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Rien n'échappe à sa science, que ce soit des choses qui sont sur terre ou des choses qui sont dans le ciel. Ya'lamu ma fil barri wal bahri. Il sait ce qu'il y a sur terre et il sait ce qu'il y a dans la mer. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Et il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'Allah ne le sache. Mais c'est Allah qui fait tomber les feuilles des arbres. C'est Allah qui a créé toutes choses. Vous voyez les arbres là dans la forêt? Tu vois derrière la fenêtre là? Des milliers et des milliers de feuilles. Aucune d'entre elles n'échappe à la science d'Allah Ta'ala. Subhanallah. C'est pour ça, Ibn Abbas radiyallahu anhu, il disait « Tafakkaru fi khalqillah, wa la tafakkaru fi dhatillah. » Méditez sur la création d'Allah, mais ne méditez pas sur l'être d'Allah. Tu ne peux pas atteindre la réalité de Dieu. Tu connais Allah en connaissant ses attributs, en connaissant ce qui est impossible à son sujet, en connaissant ce qui est possible s'agissant de lui. Mais tu ne connais pas Allah en essayant de te l'imaginer, parce que déjà on ne peut pas imaginer Allah. Mais quand tu observes la nature et tu médites sur la création d'Allah, tu en arrives à quelle conclusion? Tu en arrives à cette phrase, Subhanallah. Tu es émerveillé et tu dis Subhanallah, ça veut dire Allah est exempt de toute imperfection. Toutes ces feuilles-là dans ces arbres, chaque mouvement, quand le vent souffle, chaque feuille fait un mouvement particulier. Allah sait tout ça. C'est Allah qui a créé tout ça. C'est Allah qui a prédestiné tout ça. Donc il sait toutes choses et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Ensuite il a dit ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Ça aussi c'est un iqtibas, c'est une phrase qui est tirée du Coran. ولا حبة في ظلمات الأرض, c'est-à-dire pas une graine dans les ténèbres de la terre. ولا رطب ولا يابس, pas une feuille verte ou desséchée. Illa fi kitabim mubin, sans que cela ne soit inscrit dans un livre clair. La table préservée. Al-lawhul mahfouz. Allah a créé l'eau et c'est la première des créatures. Ensuite, la deuxième chose qui a été créée, c'est le trône, le toit du paradis. Ensuite, troisièmement, le qalam, un instrument qui écrit. Et quatrièmement, al-lawhul mahfouz, la table préservée. Et Allah a ordonné au qalam d'écrire sans que quelqu'un ne tienne le qalam. Il n'y a pas un ange ou un djinn qui a tenu le qalam. Le qalam a écrit par ordre d'Allah Ta'ala, tout seul. Allah a ordonné au qalam d'écrire
tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer jusqu'au jour dernier, c'est-à-dire jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis et que les gens de l'enfer entrent en enfer. Et donc, pas une feuille ne tombe sans que cela ne soit inscrit dans Al-Lawh Al-Mahfouz. Pas une plante verte ou desséchée sans que cela ne soit inscrit dans Al-Lawh Al-Mahfouz. Chaque chose que l'on fait, chaque parole que l'on dit est déjà écrite dans Al-Lawh Al-Mahfouz, est déjà écrite dans Al-Lawh Al-Mahfouz. أحاط بكل شيء علما il englobe toute chose par sa science وأحصى كل شيء عددا et Allah dénombre toute chose. Dit autrement, Allah Ta'ala sait tout dans sa globalité et dans son détail. Allah Ta'ala sait tout par sa science éternelle et il sait les choses globales tout comme les choses détaillées. Il dénombre toutes choses. Wa ahsa kulla shay'in adada. Vous avez une question ? Oui, c'est quoi l'ordre pardon, de la création au trône ? Au trône, qalam, table préservée. C'est cité dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh, c'est-à-dire Allah est de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ et son trône était sur l'eau. Certains savants en ont déduit que d'abord il y a eu l'eau, puis il y a eu le trône, et se sont basés aussi sur d'autres hadiths et d'autres versets du Coran. Et ensuite, وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ et il a fait écrire sur la table préservée toute chose. Et donc les savants ont dit, il y a eu ensuite le qalam, et ensuite il y a eu la table préservée. Allah sait toute chose. On a bien compris ça. Maintenant, il arrive que des gens lisent le Coran sans avoir appris les fondements même de la religion de l'islam et ils se mettent à s'égarer. Et ils s'égarent, même sur ce sujet-là. Tant vous allez me dire, mais c'est simple, Allah, il est tout-puissant, c'est le créateur de toutes choses, c'est lui qui a créé les choses, il sait tout ce qu'il a créé. Oui, c'est écrit dans le Coran, dans Surat al-Mulk. « Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir » Ne sait-il pas ce qu'il a créé ? C'est lui qui a créé les choses, forcément. Il sait ce qu'il a créé. Et il y a quand même des gens qui vont attribuer à Allah l'ignorance. Comment ? Parce qu'ils ont mal compris certains versets du Coran qu'ils ont pris selon le sens apparent. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa » Maintenant, Allah Ta'ala vous a allégé la charge. Car il a su, mais il a su de toute éternité, que vous alliez avoir une faiblesse. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, « Al-ana khaffafa Allahu 'ankum » Maintenant, Allah vous a allégé, vous a facilité, vous a déchargé de cette charge. Elle a diminué. Et la suite du verset, « Wa 'alima anna fikum dha'fa » Et il a su que vous alliez avoir une faiblesse, que vous alliez être faible. Certains, ils gardent la phrase « Wa 'alima » en la rattachant à « Al-an » Maintenant. Et ils se mettent à dire, ce n'est que maintenant que Dieu a su. Ça veut dire qu'avant, Dieu, il ne savait pas. Ça, c'est de la mécréance de dire ça et de croire ça. Allah Ta'ala, on ne lui attribue pas l'ignorance. Vous avez compris ? Allah sait tout par sa science qui est éternelle. Sa science n'augmente pas et elle ne diminue pas. On ne dit pas, oui, mais là, c'est encore mieux parce que Dieu, il sait encore plus de choses. Non, parce que ça revient à dire qu'avant, Dieu, il savait moins de choses. Allah sait toute chose. Ensuite, il a dit fa'alul lima yurid. Il a dit fa'alul lima yurid. Allah fait ce qu'il veut. Allah réalise ce qu'il veut. Ça veut dire si Allah Ta'ala a voulu une chose, cette chose elle aura lieu. Si Allah n'a pas voulu une chose, cette chose n'aura pas lieu. Personne ne peut contraindre Allah. Personne ne peut empêcher la réalisation de ce qu'Allah Ta'ala a voulu. Quand on dit Allah a voulu qu'une chose ait lieu, ça ne veut pas dire qu'Allah agrée cette chose. Attention à ne pas mélanger comme on fait les qadariyas, les mu'tazilas. Allah Ta'ala a voulu qu'une chose entre en existence. La volonté d'Allah, c'est quoi sa définition ? C'est le fait qu'Allah Ta'ala, il spécifie pour une créature une chose qui lui est possible plutôt qu'une autre chose qui lui est possible. La table ou le mur, il est possible qu'il soit blanc, il est possible qu'il soit noir. Ce sont deux choses qui lui sont possibles rationnellement.
Allah a voulu que le mur soit blanc ou que le mur soit noir, ça veut dire qu'Allah Ta'ala a spécifié à cette chose qui est possible selon la raison. Il lui a spécifié quelque chose, donc un attribut, une caractéristique, qui lui est aussi possible selon la raison, plutôt qu'une autre. C'est ça le sens de la volonté d'Allah. Et il a spécifié pour cette créature d'exister dans un temps plutôt qu'à un autre temps. Et d'avoir telle caractéristique plutôt que telle autre caractéristique. Et pour un être humain, il lui a spécifié de vivre plutôt que de ne pas vivre. C'est ça, la volonté. Il n'est pas sujet ici de est-ce que Allah Ta'ala agrée cette chose ou ne l'agrée pas. Ce n'est pas parce que Dieu il a créé une chose et qu'il a voulu que cette chose existe que Dieu agrée cette chose. Il y en a, ils vont te dire, oui, mais Dieu il a créé tout le monde, donc Dieu il aime tout le monde. Non. Ils vont te dire, oui, mais si Dieu il a créé les cochons, alors pourquoi ce n'est pas bien les cochons? Si Dieu il les a créés, ça veut dire qu'il les aime. Non. Il y a une différence, une distinction à faire entre le fait qu'Allah agrée une chose ou ne l'agrée pas et entre le fait qu'Allah Ta'ala a voulu son existence ou n'a pas voulu son existence. Le vouloir d'Allah, la volonté d'Allah de, qu'une chose existe, c'est tarsisu al-mumkini bi ba'd ma yajuzu 'alayhi duna ba'd wa bi sifatin duna ukhra wa bi waqtin duna akhar. C'est ça la définition qui a été donnée par les savants. C'est qu'Allah Ta'ala a spécifié à une chose possible selon la raison. Quand on dit une chose possible selon la raison, ça veut dire qu'il est possible rationnellement qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. Cette chose-là qui est possible selon la raison, Allah Ta'ala lui a spécifié une caractéristique plutôt qu'une autre. Toutes les deux lui sont possibles. Un temps plutôt qu'un autre. On aurait pu vivre en 1900. Allah a voulu qu'on vive en l'an 2020. Allah a spécifié pour nous ce temps et pas un autre. Et il nous a spécifié de l'existence plutôt que l'inexistence. C'est ça l'attribut de la volonté d'Allah. Donc on ne dit pas Allah a créé tout le monde, Allah a voulu que tout le monde existe, les musulmans et les mécréants, donc Allah agrée tout le monde, Allah aime tout le monde dit il est bien. Non. Allah Ta'ala a prédestiné toutes choses, il a voulu que les choses aient lieu telles qu'elles ont lieu, mais Allah Ta'ala il a créé le bien et le mal. Il nous a ordonné de suivre le bien et de faire le bien, et il nous a interdit de suivre le mal et de faire le mal. Mais si Allah a voulu qu'une chose ait lieu, cette chose, elle va avoir lieu. Inéluctablement. Il a été rapporté dans un hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah. Il lui a fait quatre invocations. Allah Ta'ala, il lui a exaucé trois. Et il y en a une, il ne lui a pas exaucé. Et il lui a révélé, « Ya Muhammad, inni idha qadaytu qada'an fa innahu la yurad. » Ô Muhammad, si j'ai prédestiné une chose, cette chose aura forcément lieu. Cette chose aura lieu. Elle ne sera pas rejetée. Si Allah a prédestiné une chose de toute éternité, ça ne peut pas changer. Même si tu fais la prière, même si tu fais des doigts, même si tu fais des aumônes, ce qui va avoir lieu, c'est ce que Dieu a prédestiné de toute éternité. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de faire des invocations. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de faire la prière ou des invocations ou des aumônes. Non. Parce que Allah Ta'ala a prédestiné que la personne, elle, fasse cette invocation et que c'est cette invocation qui soit la cause pour qu'elle obtienne telle ou telle chose. Et que si elle n'avait pas fait cette invocation, elle n'aurait pas eu cette chose-là. D'accord? Vous avez compris? Donc Allah réalise ce qu'il veut. Ma sha Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Vous vous rappelez le matin et le soir, après la prière, qu'est-ce qu'on récite? Ce que le prophète a enseigné à sa fille, alayhi salatu wa salam, Subhanallah wa bihamdih, la quwwata illa billah, ma sha Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ma sha Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun, ça veut dire ce qu'Allah a voulu a lieu, ce qu'Allah n'a pas voulu n'a pas lieu. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, il a dit qadirun ala ma yasha. Allah est sur toute chose tout puissant. Ça aussi, c'est écrit dans le Coran. Tous les attributs que je cite, ils sont dans le Coran. Soit ils sont écrits en un mot, soit ils sont écrits dans une phrase. On a parlé de la science. Allah dit dans le Coran, « Wa huwa bi kulli shay'in alim » et il sait toute chose. « Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma » Allah englobe toute chose par sa science. On a parlé de la volonté. Allah dit dans le Coran, « Wa ma tasha'una illa an yasha Allah »
Et vous ne voulez que si Allah le veut. Donc c'est écrit dans le Coran. Là on parle de la puissance. Allah dit dans le Coran, dans le premier verset de Sourate Al-Mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est sur toute chose tout puissant. Allah Ta'ala, il n'est pas faible, il n'est pas incapable. S'il a voulu qu'une chose entre en existence, il l'a fait entrer en existence au moment qui était prédestiné par sa toute-puissance, Subhanahu wa Ta'ala. Donc Allah Ta'ala est tout-puissant. Il n'est pas touché par la faiblesse, ni par l'incapacité, ni par la fatigue. Il est tout-puissant, Subhanahu wa Ta'ala. Attention, et on va finir avec ce point. Quand on dit Allah Ta'ala est tout-puissant, c'est quoi la définition de la puissance? Pour bien comprendre, et pour ne pas tomber dans le piège des athées, le piège des mécréants, quand ils te posent des fois certaines questions, pour te faire tomber dans l'égarement et dans la mécréance. C'est quoi l'attribut de la puissance d'Allah? La fonction de la puissance d'Allah Ta'ala consiste à faire exister ce qui n'existe pas ou à anéantir ce qui existe. Et donc, ce qui est concerné par la puissance d'Allah, ce sont les choses qui sont possibles selon la raison. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est quoi ce qui est possible selon la raison? C'est ce qui admet, du point de vue de la raison, aussi bien l'existence que l'inexistence. La puissance d'Allah, elle concerne ce qui est possible selon la raison. Elle ne concerne pas ce qui est impossible rationnellement. Pour ceux qui n'ont pas compris où je veux en venir, j'y arrive. Est-ce qu'il est possible rationnellement qu'il y ait deux dieux? C'est impossible selon la raison. On a vu l'explication dans le premier cours. S'il y avait deux dieux et que l'un veut qu'un tel existe et que l'autre veut qu'il n'existe pas, au même moment, il ne peut pas exister et ne pas exister. Donc il y a un des deux qui est imparfait, qui est incapable, qui n'a pas réussi à réaliser sa volonté et donc il n'est pas Dieu. Donc il est impossible rationnellement qu'il y ait deux dieux. D'accord? Donc on ne peut pas dire « Ah, mais Dieu, il est tout-puissant. Donc, est-ce que Dieu, il peut créer un autre Dieu ?» Cette question-là est stupide. On ne dit pas « oui », on ne dit pas « non ». On dit « ta question est stupide ». On ne dit pas « oui », parce que ça revient à attribuer à Allah un associé. C'est de la mécréance, c'est du shirk. On ne dit pas « non, Dieu ne peut pas », parce que ça revient à dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose et à lui attribuer l'incapacité. On dit « ta question est stupide ». La puissance d'Allah ne concerne pas quelque chose d'impossible rationnellement. La puissance d'Allah concerne tout ce qui est de l'ordre du possible rationnel. Mais oui, Dieu est tout puissant, ça ne restreint pas la puissance d'Allah. La puissance d'Allah concerne toute chose. Mais quand on dit toute chose, ça veut dire quoi? Ce qui peut arriver ou ne pas arriver. Ça ne concerne pas ce qui ne peut pas arriver rationnellement de base. Parce que si la puissance d'Allah concernait ce qui est impossible, ça ferait de cette chose impossible quelque chose de possible, quelque chose qui peut admettre l'existence. Or, on a dit que c'était impossible. Vous comprenez? Donc, les questions des athées, là, quand ils te disent « Oh, ben Dieu, s'il est tout-puissant, il peut rentrer dans une bouteille. » Mais Allah n'est pas un corps. Allah n'est pas concerné par la limite. On ne dit pas « oui, il peut », on ne dit pas « non, il ne peut pas ». Ou bien les chrétiens qui te disent « mais n'est-ce pas que Dieu est tout-puissant? Alors, s'il veut, comme il est tout-puissant, il peut avoir un fils. » Mais le fils est impossible rationnellement. S'agissant d'Allah, parce que ça reviendrait à lui attribuer un associé, et Allah Ta'ala n'a pas d'associé dans la divinité. Il n'a pas de fils. Donc on ne peut pas dire, est-ce que Dieu peut se créer un fils parce qu'il est tout-puissant? Et la réponse à cette question, ça n'est pas de dire oui. Ça n'est pas de dire oui, il peut. Et ça n'est pas de dire non, il ne peut pas. On ne dit pas, Dieu ne peut pas quelque chose. Dieu est tout-puissant. Mais on dit, la puissance d'Allah ne concerne pas ce qui est impossible rationnellement. Donc ta question n'a pas de sens. Quand la personne, elle dit, est-ce que Dieu, il peut créer un autre Dieu? C'est stupide. Cette question est stupide. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de début à son existence. Il est éternel. Donc de dire, est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu? Ça revient à dire, est-ce que celui, donc le deuxième, celui qui n'a pas de début à son existence peut avoir un début à son existence? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc Allah est tout puissant. Et la puissance d'Allah concerne ce qui peut exister ou ne pas exister. Puisque la fonction de la puissance d'Allah consiste à faire exister ou à faire ne plus exister. Ça ne concerne pas quelque chose qui, déjà de base, ne peut pas exister rationnellement.
Et ça ne concerne pas non plus ce qui existe obligatoirement. Allah existe. La raison n'accepte pas la non-existence d'Allah. Il est obligatoire rationnellement qu'Allah existe parce que ce monde a besoin d'un créateur et ce monde existe. Donc on ne dit pas, ah mais puisque Dieu est tout-puissant, est-ce qu'il peut s'anéantir ? On ne pose pas cette question. Ça, c'est les athées qui essayent de faire tomber les musulmans dans la mécréance en leur faisant répondre quelque chose qui est contraire à l'islam qui posent ces genres de questions. Ce sont eux. Et il faut être intelligent. On ne dit pas, oui, Dieu, il peut s'anéantir. Ah là là, tu m'as eu parce que c'est vrai, Dieu, il est tout puissant. Donc, je suis obligé de dire oui parce qu'il est capable de tout. Mais Allah Ta'ala, sa puissance ne concerne pas quelque chose d'impossible et elle ne concerne pas quelque chose d'obligatoire. Son existence est obligatoire, rationnellement. Donc la puissance d'Allah ne concerne pas son existence. On ne dit pas est-ce que Dieu peut arrêter sa propre existence. Cette question est stupide. Parce que ça revient à dire, est-ce que celui dont l'existence est obligatoire peut ne pas exister? Mais on vient de dire que son existence est obligatoire. Ça n'a pas de sens de dire il peut ne pas exister. Vous avez compris? Et on ne dit pas oui il peut, on ne dit pas non il ne peut pas. On dit ta question est stupide, la puissance d'Allah ne concerne pas ce qui est impossible rationnellement. C'est bon pour tout le monde? On va s'arrêter là, inshallah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, séance de sport, ensuite petit déj, et après, le prochain cours à 11h, inshallah ta'ala. Il y a des questions? Quand tu es en cours, et ça peut arriver souvent, le shaitan essaye de nous distraire coûte que coûte. Parfois, quel que soit le sujet, le prof il va dire quelque chose, et là on va être pris par une question. C'est possible. Tellement on veut la réponse à cette question, c'est le shaitan, hein, comme il veut que tu aies tout de suite ta réponse. Pourquoi? Pour que pendant tout le reste du cours, tu sois concentré sur ta question au lieu d'être concentré sur les informations qui sont en train d'être dites. C'est pour ça, la technique, c'est quoi? C'est, tu notes la question immédiatement sur un coin de ta page, et après, tu l'oublies, tu suis le cours. Et à la fin du cours, tu poses la question. D'accord? Habituez-vous à être comme ça, parce que sinon, combien de fois il va dire, attends, mais il a dit ça le prof? Ouais, mais moi, une fois, j'ai appris ça. Oui, mais la dernière fois, il a dit ça. Oui, mais attends, mais du coup, ça voudrait dire quoi? Et là, le shaitan, il est en train de te distraire. Il est en train de t'occuper pour pas que tu écoutes le cours. D'accord? Donc, Inch'Allah, quand ça revient, il n'y a pas de problème. Dis-moi. Sur le Lawh al-Mahfouz, pareil, j'ai pas de connaissances. Lawh al-Mahfouz, c'est un corps qui est au-dessus du septième ciel. Certains savants ont dit qu'il est au-dessus du trône. D'autres savants ont dit qu'il est en dessous du trône. Donc il n'y a pas un texte explicite du Coran ou du Hadith qui indique son emplacement exact. Et Allah Ta'ala a fait que sur Lawh al-Mahfouz soit écrit tout ce qui va avoir lieu jusqu'au jour dernier. C'est pour ça que quand une chose arrive, une épreuve elle arrive, pour nous aider à nous soumettre à Allah et à accepter le destin, et à ne pas nous révolter, à ne pas nous rebeller, on dit souvent, c'est le maktoub. C'était écrit. Maktoub, ça veut dire c'est écrit. C'est écrit où? C'est écrit sur la table préservée. Une doua peut changer ton maktoub? Alors, ce qui est écrit sur la table préservée ne change pas. Donc il y a les différentes options. Les différentes options, c'est ce qu'il y a entre les mains des anges. Je vais rentrer dans les détails. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un hadith que certains ont mal compris. Allez, ça va, ça va. Et leur mauvaise compréhension peut être extrêmement grave. Parce que, comme on a dit précédemment, les attributs d'Allah sont éternels, les attributs d'Allah ne changent pas, et Allah ne change pas. Donc la volonté d'Allah ne change pas, et on n'a pas le droit de lui attribuer le changement. On n'a pas le droit de dire, Dieu voulait quelque chose, et finalement, Dieu a changé sa volonté, et il s'est mis à vouloir autre chose. Parce que ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que Dieu est sujet au changement. Le changement, c'est quoi? C'est de passer d'un état A à un état B. Pour passer d'un état à un autre état, il faut être dépendant du temps. Allah a créé le temps. Il ne dépend pas du temps. Celui qui dépend du temps est forcément une créature. Celui qui change, forcément il est créé. Et les savants ont dit, le changement, c'est la plus grande preuve de l'entrée en existence. Donc d'une certaine manière, et même d'une manière très claire, celui qui dit, la volonté d'Allah a changé, est en train de dire qu'Allah a changé.
Celui qui attribue un changement à l'attribut d'Allah, il est en train d'attribuer un changement à Allah lui-même. Si moi, je parle, et après j'arrête de parler, mon attribut a changé, n'est-ce pas? Moi je parle, et après j'arrête, je me tais. Mon attribut de la parole, il a changé. N'est-ce pas que tu vas dire, j'ai changé, il a changé lui, il parlait et après il ne parlait plus. Donc il a changé, vous avez compris? Le fait que mon attribut, il change, implique que moi-même je change. Or Allah est exempt du changement. Et les attributs d'Allah sont exempts du changement. Donc on ne dit pas, Allah a voulu une chose, et après, parce que tu as fait un doua, Allah a arrêté de vouloir cette chose, et il s'est mis à vouloir autre chose. Parce que ça revient à dire qu'il y a un nouvel attribut qui est entré en existence pour Allah. Ça revient à dire qu'il est advenu à Allah quelque chose de nouveau. Ça, c'est impossible. Allah est éternel, il ne change pas. Mais alors, que veut dire le hadith ? « La yaruddu al-qada'a illa al-du'a » Un hadith qui est connu. Si tu prends ce hadith selon le sens apparent et tu le traduis littéralement, ça donnerait « Rien ne change le destin sauf tes invocations. » Et là, certains pourraient être perturbés. La réponse a été expliqué par les savants. Les anges qui sont en haut, certains d'entre eux ont reçu l'ordre de la part d'Allah de récupérer de la table préservée et de retranscrire à partir de la table préservée certaines informations qu'on appelle al-qada al-mu'allaq, al-qadar al-mu'allaq, c'est-à-dire la destinée conditionnée. Les anges, dans leur feuillet, il est écrit, si un tel fait telle invocation, alors il va lui arriver telle chose. Par contre, s'il ne fait pas cette invocation, alors il ne va pas lui arriver telle chose. Et c'est écrit sur la table préservée, tout. Donc, sur la table préservée, c'est écrit ce que je viens de dire, et c'est écrit si la personne, elle va faire l'invocation ou elle ne va pas faire l'invocation. Et c'est écrit si la chose, elle va lui arriver ou elle ne va pas lui arriver. Tout est écrit. Quand il arrive quelque chose, on dit c'est le maktoub. Mais les anges, ils n'ont pas tout retranscrit. Ils retranscrivent seulement la destinée conditionnée. Et le hadith, la yaruddu al-qadara illa al-du'a, ou bien la yaruddu al-qada'a illa al-du'a, fait référence à la destinée conditionnée qui est entre les mains des anges. Donc, les anges, ils ont entre leurs feuillets, ils ont dans leur feuillet, si tu fais ci, il va t'arriver ça, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Si tu invoques, tu auras ce que tu as demandé, si tu n'invoques pas, tu n'auras pas ce que tu as demandé. Mais tout ça, c'est déjà prédestiné. Mais eux ne le savent pas. Et Allah sait toutes choses. Et comme on a dit, rien n'échappe à sa science. Et rien n'a lieu sans sa volonté. Comment on peut dire que le destin pourrait changer parce que tu as fait une invocation, alors que le prophète a dit « ce qu'Allah a voulu aura lieu ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah est, et ce qu'Allah n'a pas voulu n'aura pas lieu. Est-ce que ça veut dire que Allah n'a pas voulu une chose et au final il change et il se met à le vouloir, mais le prophète a dit que si Allah ne l'a pas voulu, ça n'aura pas lieu. Donc on n'a pas le droit de croire qu'il y arrive un nouvel attribut qui entre en existence pour Allah. Ça, c'est impossible. Et ceux qui croient cela sont tombés dans le shirk. Et les mêmes anthropomorphistes au sujet desquels on a parlé hier, qui attribuent à Allah Ta'ala le corps, qui attribuent à Allah Ta'ala les attributs des créatures, ils attribuent à Allah Ta'ala également, et ça fait partie de leur mauvaise croyance, qui est de la mécréance, ils attribuent à Allah Ta'ala des attributs qui entrent en existence. Et on va le voir, Inch'Allah, dans la suite des cours. Mais l'arche, c'est la plus grosse créature. C'est le plus grand corps qu'Allah a créé et c'est le toit du paradis. Al-Lawh al-Mahfouz, il a été dit qu'il fait 500 années de long. Et Allah est sur toute chose tout puissant. C'est quoi ça? Al-Lawh al-Mahfouz, la table préservée. Ah, la table préservée. Avec toutes les options de toutes les créatures. Allah est sur toute chose tout puissant. Les choses qui arrivent jusqu'au jour dernier, ce sont des choses qui sont limitées, puisqu'elles s'arrêtent au jour dernier, jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis et les gens de l'enfer entrent en enfer. Ce qui est limité peut rentrer dans une chose qui est limitée. Mais c'est énorme.
Allah est sur toute chose tout puissant. C'est là où tu dis Allahu Akbar. Et Allahu Akbar, ça veut dire ça. Allahu Akbar, certains le traduisent littéralement par Dieu est grand, mais le sens, il est beaucoup plus profond que ça. Ça veut dire Allah est plus puissant que tout puissant. Allah sait plus que tous ceux qui savent. Allah a plus d'éminence que tous ceux qui ont un degré ou une éminence. Allah Ta'ala est tout puissant. Allahu Akbar. Et Subhanallah, Allah est exempt de toute imperfection. Barakallahu fikum. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'ai une question. Bah, du coup, on parlait de la grandeur. Est-ce que vous pouvez nous parler de la grandeur de l'ange Israfil? En fait, il a été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait la visite de l'ange Jibril, alayhi salam, et que l'ange Jibril lui transmettait la révélation, c'était sous l'apparence d'un homme. Il venait sous l'apparence d'un homme. Même la première fois qu'il est venu lui transmettre le Coran avec les premiers versets, « Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq, iqra' wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. » Au début, il lui a dit « Iqra', récite. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ma ana biqari. » Certains savants ont expliqué en disant « Qu'est-ce que je récite ?» D'autres savants ont expliqué en disant que le prophète, il a compris de lire, et il a dit, mais je ne lis pas. Le prophète ne lisait pas. Mais l'ange Jibril lui disait, Iqra, dans le sens, récite ce que je m'apprête à te faire réciter. Et là, l'ange Jibril, alayhi salam, il l'a pris dans ses bras. Il n'avait pas sa forme réelle d'ange, immense. Il l'a pris dans ses bras. Il a serré fort le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a compressé. Et après, il lui a répété, Iqra. Il lui a dit, ma ana biqari. Il l'a resserré fort dans ses bras. Troisième fois, il l'a resserré fort dans ses bras. Et après, il lui a dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Jusqu'à la suite, les cinq premiers versets qui ont été révélés. Mais une fois, l'ange Jibril, alayhi salam, il a dit au prophète, demande à Allah qu'il t'accorde de me voir sous ma véritable apparence. Et le prophète a invoqué. Alors l'ange Jibril, alayhi salam, est apparu et il couvrait tout l'horizon. De la terre jusqu'au ciel, de l'est jusqu'à l'ouest. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui. Il a vu quelque chose de tellement grand, de tellement immense, il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il a dit à l'ange Jibril alayhi salam, je ne savais pas qu'Allah Ta'ala avait créé quelque chose d'aussi grand. Ça ne veut pas dire qu'il doute de la toute-puissance d'Allah, mais lui il ne savait pas qu'il y avait quelque chose d'aussi grand qui existait. Alors l'ange Jibril alayhi salam lui a dit, Allah m'a créé avec 600 ailes et je n'ai déployé que 2 ailes. Et Allah a créé l'ange Israfil avec 600 ailes également. Et une de ces 600 ailes équivaut à mes 600 ailes. L'ange Israfil, c'est celui qui va souffler dans le corps. Et quand il va souffler, tout le monde va mourir. Tous les êtres humains, tous les djinns, tous les anges, sauf quelques exceptions pour qui Allah Ta'ala a prédestiné de ne pas mourir, comme les anges qui portent le trône, par exemple. Ou bien ceux qui sont au paradis, ceux qui s'occupent du paradis, de l'enfer. Il y a des exceptions, mais sinon, les anges des cieux, les djinns sur terre, les animaux, les êtres humains, il ne restera que des mécréants à ce moment-là. Tout le monde va mourir. J'ai une question. Cheikh Hir, vous avez dit que les prophètes étaient meilleurs que les anges. Les anges, ils ont été créés pour l'adoration. Ils ne dorment pas, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Ils sont en constance d'adoration toute l'existence. Et malgré ça, Allah Ta'ala a élevé les prophètes au-dessus de la création. Le degré d'une personne tient à la crainte qu'il a de son Seigneur dans son cœur. Et même si les anges, ils ont été créés, ils ne font qu'adorer Allah Ta'ala. Et ils sont dans une obéissance, ils ne désobéissent jamais à Allah Ta'ala. Ils sont des êtres honorés. Allah Ta'ala a fait que le cœur des prophètes ait encore plus de crainte pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maintenant, d'où on sort ça? Pourquoi on dit les prophètes ont un meilleur degré que les anges? Parce que c'est écrit dans le Coran. Et nous, on croit au Coran. Allah dit dans le Coran, « Wa kullam faddalna ala al-alamin » au sujet des prophètes. Et tous, nous leur avons accordé un degré au-dessus de « al-alamin », au-dessus des mondes. Les prophètes sont les meilleurs des créatures. Et ils ont un degré meilleur que celui des anges. C'est la croyance des musulmans qui est tirée du Coran et de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, même entre êtres humains, certains pourraient être étonnés et dire « Mais le prophète Nuh alayhi salam, il a appelé à l'islam pendant 950 ans. Tandis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à l'islam pendant 23 ans.
Donc le prophète Nour, en termes d'années, a eu l'occasion de faire beaucoup plus d'adoration. Il a appelé à l'islam pendant 950 ans. Certains savants ont dit qu'il a vécu 1780 ans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu 63 ans et il a commencé à appeler à l'islam à l'âge de 40 ans. Donc en termes de temps, le prophète Nour alayhi sallam a eu l'occasion de faire beaucoup plus d'adoration. Mais finalement, Allah Ta'ala a élevé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de tous les autres prophètes. Et il a fait que son cœur soit le cœur le plus illuminé et le plus pur et celui qui a la plus grande crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes. Aucune créature n'a la science de toute chose, mais il se peut qu'une créature sache certaines choses du caché, certaines choses du raïb, parce qu'Allah leur a fait savoir, mais pas tout le raïb, pas tout le caché, pas tout le monde invisible, le monde qu'on ne voit pas. La nuit de Al-Qadr, Allah Ta'ala fait savoir à certains de ses anges des choses qui auront lieu dans l'année qui va suivre jusqu'à la nuit de Al-Qadr suivante. La nuit de Al-Qadr, c'est une fois par an, la nuit du destin. Et elle a lieu pendant Ramadan. Qui va vivre, qui va mourir, qui va avoir telle subsistance. Des choses qui vont avoir lieu cette année. Et les anges, cette nuit-là, ils se mettent à discuter entre eux de ces choses-là. Donc, ils apprennent certaines choses qui vont avoir lieu dans le futur, dans l'année qui va suivre, mais ils ne connaissent pas la totalité des choses qui existent et qui vont exister. Et les djinns, certains d'entre eux, ils savent voler. Ils volent dans les airs, ils se rapprochent du ciel pour écouter les anges parler de ce qui va avoir lieu dans l'année. Et les anges leur jettent des projectiles que nous, on voit comme étant des étoiles filantes. Mais les anges leur jettent des projectiles qui les brûlent. Et ça, c'est écrit dans le Coran, dans Sourate As-Saffat. Allah Ta'ala dit « وَالصَّافَّاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. Nous avons embelli le ciel par des décorations qui sont les astres, الكواكب. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. Et ces astres-là protègent des diables, des shayatines. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. Ces diables, ils essayent d'écouter les anges qui parlent dans les cieux et qui discutent entre eux. Alors, ils se font jeter des projectiles de toutes parts. دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. Et la nuit de Al-Qadr, nous, de notre côté, on voit beaucoup d'étoiles filantes. Mais il a été dit que quand tu vois des étoiles filantes, tu ne cherches pas à les regarder. Tu baisses le regard, tu détournes le regard. C'est des djinns qui se font jeter des projectiles, qui se font châtier comme ça. Donc tu ne les suis pas du regard, les étoiles filantes. Là, j'ai une question. J'ai déjà entendu parler des walis, des personnes qui ont un haut degré de sainteté. Et on m'a dit qu'il y en a comme s'ils avaient certains pouvoirs. Allah Ta'ala accorde à certains de ses esclaves vertueux ce qu'on appelle un kashf, c'est-à-dire un dévoilement. Allah Ta'ala, c'est comme s'il fait qu'il était inspiré et qu'il ressente une chose qui à la base fait partie du monde caché, c'est-à-dire qui ne lui est pas visible. Et donc, c'est comme s'il allait deviner, entre guillemets, qu'il va t'arriver telle chose ou qu'il va arriver telle chose. Mais ils ne connaissent pas la totalité du monde caché. Et il se peut que leur kashf, leur dévoilement, ils se trompent. Il se peut qu'ils se trompent. Des fois, ils ont un ressenti et c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça va arriver. Mais il se peut qu'il ait ce ressenti-là. Toi, tu vas arriver, tu as quelque chose dans le cœur, tu as une question à lui poser et tu vois, il te répond directement à ta question. Comme s'il avait su ce que tu allais lui dire. Allah Ta'ala lui accorde certaines choses comme ça. Et le plus fort des awliya dans ce sujet-là, c'était Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il y a un hadith là-dessus à son sujet. Allah Ta'ala lui a accordé des kashf, il avait beaucoup de dévoilements. Il lui était dévoilé des choses qui font partie du caché. Mais aucun être humain et aucun djinn et aucun ange ne connaît la totalité des choses.
Seul Allah, c'est toute chose. Et quand je parlais des pouvoirs, c'était... Il y en a, ils avaient par exemple des pouvoirs comme de téléportation d'un endroit à un autre. On les appelle Ahlul Khutwa. C'est des karamètes, des prodiges qu'Allah accorde à certains saints. Mais un avertissement que je fais par prévention, hein, une prévention, même si ça ne concerne pas ta question à proprement parler, mais il y a des gens parfois qui entendent des choses qui peuvent être étonnantes en islam et qui vont se mettre à passer leur temps dans ce genre de choses qui peuvent rationnellement arriver. Ces gens-là, s'ils sont arrivés à ce degré-là, c'est pas en passant leur temps à discuter de ces choses-là. C'est en faisant des prières, en faisant du dhikr, en adorant Allah. Et nous, on doit les suivre dans ce chemin-là. Pas juste dans le fait de passer notre temps dans les choses époustouflantes ou des choses qui auraient pu arriver. Et parfois, certaines sont mensongères et certaines sont faux. Et certaines sont parfois vraies, oui. Parce qu'il y a des awliyas qui ont des karamètes, qui ont des prodiges. Ce que tu as appelé la téléportation, c'est ce qu'on appelle Ahlul Khutwa ou Ahlul Khatwa. Il y a des saints à qui Allah a accordé des prodiges. Il va faire un pas, il va se retrouver à la Mecque. Masha'Allah. Mais pour arriver à ce stade, c'est en œuvrant et en adorant Allah Ta'ala. C'est le cas de trône de Suleyman, c'est un homme. Celui qui a ramené le trône pour Suleyman, le trône de la reine de Saba, c'est le cousin du prophète Suleyman alayhi salam, c'est un humain. C'est même pas un djinn. Un djinn lui a dit, moi je te le ramène avant que tu quittes ton assemblée. On est tous assis là, avant que l'assemblée elle se termine, eh ben moi, je vais aller chercher le trône de Saba qui est au Yémen, alors qu'eux, ils étaient en Palestine. Et je te le ramène. Et là, il y a un homme qui était un wali, qui s'appelle Asif ibn Barkhiya, et c'est le cousin du prophète Sulayman, alayhi salam. Il a dit, « Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk » Ça veut dire, moi, je t'apporte son trône avant que ton regard, qui est porté sur quelque chose de loin, se porte sur quelque chose de proche. Ça veut dire, tu regardes loin comme ça, hop, tu regardes à côté de toi. Ça t'a pris combien de temps? Un instant. Et Sulayman, alayhi salam, regardait. Et il a tourné son regard et le trône, il était là. Donc ça, c'est une karama, c'est un prodige. C'est un prodige. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça peut arriver, ça existe. Mais après, oh, un tel, il a fait ça. Et t'as entendu que quelqu'un dans ce pays, il a fait ça? Oui, et il existe encore, il est encore vivant. Et l'autre, il a fait ci, l'autre, il a fait ça. Plus les charlatans qui s'inventent des histoires et qui essaient de faire croire aux gens qu'eux-mêmes, ils ont des prodiges, à la fin, on se perd. Et on se distrait du chemin à suivre pour atteindre les hauts degrés, Inch'Allah. Oui. Puisque j'ai oublié, il n'y avait pas une histoire où il y avait à l'époque de Omar ibn Khattab, on l'avait jeté dans le feu et il n'était pas mort. Il s'appelle Abu Muslim al-Khawlani. Il a été jeté dans le feu, il n'est pas mort. Oui. Il y a à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens, à la fin de la vie du prophète, des gens qui ont commencé à prétendre être des prophètes. C'était des charlatans, des mécréants. Et ils ont été suivis par des gens. Il y a Musaylima, le menteur, Musaylima al-Kazzab. Et parmi eux, il y a un homme qui s'appelait Al-Aswad al-Ansi. Et il y a un autre qui s'appelait Tulayha al-Asadi. Ils prétendaient être des prophètes, alors que ce n'étaient pas des prophètes, c'était des mécréants, des grands menteurs. Ils ont vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu plein de gens qui l'ont suivi. Ils voulaient le pouvoir, ils se sont dit, allez, c'est à la mode, je vais faire ça moi aussi. Et Al-Aswad al-Ansi, il y a quelqu'un dans sa région qui était un homme vertueux qui s'appelait Abu Muslim al-Khawlani. Il allait voir les gens, il leur disait, ne le suivez pas, c'est un menteur, c'est un mécréant. Al-Aswad al-Ansi, il a fait attiser un feu. Et il a ordonné à ce que Abu Muslim al-Khawlani, il soit jeté dans le feu. Et il n'a pas brûlé. Le lendemain, pareil, il n'a pas brûlé. Le lendemain, pareil, le surlendemain, il n'a pas brûlé. Trois jours d'affilée, à la fin, il l'a chassé de ses terres. Comme Ibrahim alayhi salam. Quand Abu Muslim al-Khawlani est parti jusqu'à Médine, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu l'a vu et il a eu un kashf. Il a eu un dévoilement. Allah lui a fait savoir ce qui lui était arrivé sans que personne ne lui dise. Alors il l'a vu, il lui a dit « C'est toi Abu Muslim al-Khawlani ?» Il lui a dit « Oui ». Il l'a embrassé entre les yeux et il lui a dit « Alhamdulillah, Allah a fait qu'il y ait dans notre communauté quelqu'un qui ressemble à Ibrahim al-Khalil. » Et pour Ibrahim, c'est un miracle et pour Abu Muslim al-Khawlani, c'était un prodige. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.